semaine dernière, commission sénatoriale amendement constitution a présenté un rapport sur ensemble d'activités que nous avons fait. Un rapport que nous avons présenté depuis en janvier par rapport à l'engagement que nous avons pris avec la commission chambre députée que nous avons rencontré dans le salon diplomatique là. Je parle de l'ensemble de députés qui ont accompagné député Jerry Tadieu qui est président de la commission. Nous connaissons les circonstances politiques, le Parlement presque pas fonctionné en dents de scie, le problème de sécurité fait que nous ne pouvons pas présenter un rapport. Et le respect nous gagnons pour le règlement interne du Sénat et le principe pour que nous respections le principe qui dit que la commission travaille pour l'Assemblée. Nous ne pouvons pas présenter un rapport sans que nous ne pouvons pas présenter l'Assemblée parce que pratiquement c'est les membres du grand corps qui ont tranché sur ce que nous allons faire. Nous avons présenté un rapport pour nous être capables de faire, collègues sénateurs, au moins l'idée de l'ensemble de propositions d'amendement que la Commission Chambre des députés a fait déjà, pour ne pas être obligé à lire tous les documents ensemble et présenter une méthodologie de travail. Là. Et dans l'ensemble, les membres de la Commission avec les experts rendent compte que nous avons pile notre travail de la Chambre des députés que nous partageons, c'est-à-dire que nous approuvons, nous voyons que c'est des changements qui sont importants. Et d'autres collègues également ouais que gain nécessité pour nous nuancer certaines réflexions qui gagnent dans le travail de chambre députée à question d'adapter certaines fois à la réalité sociopolitique nous et de faciliter réussite amendement parce que au bout du tunnel ça qui est important c'est permettre que nous capables revisiter cadre national là qui c'est constitution. Dans un même élan également nous t'ai exprimé à l'Assemblée à nos réflexions membre commission yo volonté nous non seulement pour nous garder quelques amendements que nous ouais que chambre députée a proposé corriger ça nous ouais qui méritait corriger mais en même temps dit qui côté sénat en tant que grand corps ouais contribution parle dans initiative d'amendement ça à côté de régime politique là que chambre députée a initié déjà et que nous partager avec quelques réserves. À côté de nécessité pour un changement ou réforme au niveau de l'administration publique que nous partageons, le Sénat insistait surtout sur ça nous capable le renforcement du système judiciaire là et surtout sur la lutte contre la corruption parce qu'il est clair que je dis à dans le moment que nous n'avons pas amendé la constitution, nous n'avons pas capable de changer chaque fondamental là sans que nous pas adresser problème ça. Nous avons problème revendication Petro-Caribé, nous avons toute qualité problème corruption. Et souvent, quand il y a des commissions, si nous prenons par exemple depuis sous Paul Denis, nous prenons deux commissions sénatoriales. Le résultat, c'est que justice pas jamais baille et lumière pas jamais faite sous dépense de l'argent de l'État. Et nous croyons que question ça, au lieu que nous prenons pour notre affaire politique tout le temps, nous croyons que l'important que de manière institutionnelle d'y aborder. Parce que nous passons à savoir que l'ensemble d'institutions qui sont impliquées dans contrôler l'argent de l'État, dans dépenser l'État, nous prenons par exemple Parlement, c'est Wally, nous prenons coup des comptes pour faire ça, ULCC qui a fait enquête, UCREF capable de faire, il y a des comptables publics dans le ministère qui l'a pour vérifier, il y a IGF, Inspection Générale des Finances, Planification, Unité de Suivi et Évaluation. Bref, un paquet d'appareillages mettez pour empêcher que l'argent de l'État dépense n'importe qui. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que l'argent toujours dépense n'importe qui, et manifestation par exemple faite, et en pile fois, ou est-ce que bagala pas posé dans l'intérêt de la population, c'est chaque monde qui a pensé ou intérêt par eux. Donc, tout ceci confirme effectivement que même Jean-Chambre député Awel a nécessité pour nous revisiter, pour permettre que nous capables de faire ensemble de rencontres qui permettent nous apprécier les problèmes au plus bien. Nous n'avons pas à reprendre le travail de la Chambre des députés qui lui-même a fait en pile déplacer pour aller rencontrer Mounio. Mais nous allons opérer au moins quatre formes de consultation. En consultation, nous sommes capables de dire sociale, pour nous capables de confirmer certaines informations que la Chambre des députés a apportées par nous avant de nous forger conviction par nous. Nous pouvons louer des organisations de la société civile à nous réduire par grande échelle comme la Chambre des députés a été fait et nous parlons de forme de consultation institutionnelle. Dans la consultation, ça, c'est garder comment, au-delà de tout ce qu'on a dit dans la rue, de tout ce qu'on est capable de penser, ou identifier tout le monde qui est intéressé, qui fait partie du grand axe amendement, autant que réforme administrative. Réforme judiciaire, la lutte contre la corruption. Tout ceci, nous avons identifié toute institution de l'État qui est impliquée dans eux. Nous avons rencontré eux pour nous capables, au moins, capables de dire qui faiblesse, qui fait que nous ne sommes pas capables d'être efficaces.
Parce qu'on a toujours critiqué, mais on pas en dedans. Et des fois, c'est une règle même qui fait que bagarre pas capable de marcher ou pas comme ça, et pour dire que c'est pas bon. Alors que si vous n'avez pas respecté la loi, vous allez chercher, vous n'avez pas besoin de vous. Mais en pile fois, c'est le monde qui, dans la réalité, vous parlez ensemble avec lui, vous êtes capable de voir qui ça gagne véritablement.